Bonjour, Laurent Guglielmi, je suis le gérant donc, des cochonnailles du Haut-Bois. Notre activité est une activité de production de porc et de transformation de ces porcs en charcuterie. Nous sommes basés à la base de Jougoué, donc dans le Perche, en Eure-et-Loire. Et nous transformons 230 porcs par semaine. La société a été créée en 1986 par Jean-Paul Boudet, qui a développé l'activité de vente sur l'exploitation dans un premier temps et sur les marchés. Donc l'entreprise fait 5,5 millions de chiffre d'affaires. Elle emploie 45 personnes. On travaille actuellement principalement avec la boucherie-charcuterie, les magasins de produits de terroir, les cueillettes à la ferme, qui sont des très gros clients également, les marchés, beaucoup. Et récemment, on développe une gamme de produits libre-service en grande surface. J'ai une formation de juriste et école de commerce. Et au cours de ma formation, je suis tombé amoureux du cochon, à tout niveau, de la production en fait jusqu'à la charcuterie. On essaye de se démarquer par à la fois la qualité produit, la qualité gustative en fait de nos produits, et de l'autre côté par le niveau de service qu'on apporte à nos clients. On a plusieurs belles affaires parisiennes, à la fois dans la restauration, l'hôtellerie ou dans la boucherie-charcuterie. L'objectif aujourd'hui, le développement du chiffre d'affaires. Sur différentes activités. On a aujourd'hui également démarré un partenariat en Angleterre, à Londres, avec pareil de la restauration et de l'hôtellerie de luxe pour pouvoir démarrer une activité d'exportation de nos produits. Hein, on est ici dans le Perche, Gouët, hein, dans le sud de l'Eure-et-Loire. On a un cadre de vie qui est assez exceptionnel, tout en étant à 1h30 de Paris. On n'a pas de difficulté de recrutement, on a un personnel effectivement qui est fidèle en fait, hein, à l'entreprise.